Salut, bienvenue dans l'épisode 4 de notre nouveau concept, Instant Sensibilisation. Je dis d'abord merci à Monsieur Patrick Nkanga qui m'a formé sur ce domaine que je suis en train de vous édifier à 80%. C'est grâce à lui que j'ai connu beaucoup de choses. C'est vrai, j'ai développé aussi d'autres choses moi-même, mais 80%, j'ai été formé par Monsieur Patrick Nkanga qui est le boss de Fori TV. Aujourd'hui, parce que je suis passé dans un bar, là, j'ai suivi les commentaires du genre « Non, quand tu as 1000 abonnés, 1000 abonnés te donnent 10 000 francs. » Donc aujourd'hui, nous parlons des gains. Vous comprenez? À combien de vues tu peux gagner combien? Je vous demande d'abord de vous abonner et de partager la vidéo et me laisser un commentaire pour m'encourager. Alors, comment ça se passe, les gains sur YouTube? Vous devez d'abord savoir, YouTube paye les gens sur quelle base? YouTube paye les gens grâce à, au promoteur d'entreprise qui vient proposer les publicités. C'est-à-dire que quand vous avez une chaîne sur YouTube que les gens regardent déjà beaucoup, YouTube met, insère automatiquement, eux qui savent, les vidéos, les publicités dans vos vidéos. Vous comprenez? Et c'est ça qui vous rapporte de l'argent, y compris les mégas que les gens mettent pour regarder vos vidéos. Alors, aujourd'hui, ce que vous devez savoir, personne ne peut connaître combien YouTube paye pour tel nombre de vues. Jamais. YouTube, à la fin du mois, t'envoie seulement les rapports. Et les rapports qu'on t'envoie, tu acceptes tel que c'est là. Tu n'as pas de compte à rendre à qui que ce soit. Vous comprenez? Parce qu'il ne faudrait pas que les gens viennent vous tromper que si tu as 5000 vues, si tu as 20000 vues, tu vas gagner tant. Non. Et cependant, tu peux avoir deux vidéos qui ont même nombre de vues. C'est-à-dire quoi? Vous pouvez avoir deux vidéos qui ont 10000 vues. 10000 vues, c'est 10 kilos. Parce que 1000 vues, c'est 1 kilo. Comme vous voyez généralement, les kilos. Donc, si vous avez deux vidéos de 5 minutes, je prends un exemple. Deux vidéos de 5 minutes et quand vous partez sur votre chaîne, vous voyez bien 10 kilos. Donc 10 000 vues sur les deux vidéos. À la fin du mois, vous allez vous en rendre compte qu'il y a une vidéo qui peut produire peut-être 25 000 et l'autre vidéo, toujours la même durée, qui produit plutôt 15 000. Ça se passe donc comment? J'explique. YouTube paye en fonction de la durée de visionnage et non en fonction des nombres de vues que vous voyez. Je peux avoir 20 000 vues que les gens sont venus regarder seulement de 2 minutes sur les 5 minutes. Et ça représente bien que les gens ont regardé, que 20 000 personnes ont regardé. Parce que je crois déjà à 1 minute déjà, YouTube signale déjà que c'est une vue sur ta vidéo. Donc maintenant, l'autre vidéo de 5 minutes, les gens viennent regarder les 5 minutes. Contrairement à l'autre vidéo qu'on regarde seulement de 2 minutes. Et ça marque également 20 000 vues. C'est la durée de visionnage là qui rapporte plus. C'est-à-dire que la vidéo qu'on a regardée 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes paye plus que la vidéo qu'on a regardée seulement en 2 minutes et qui la durée totale dans 5 minutes est de 5 minutes. Vous comprenez ce que j'explique, non? Donc, voilà un peu comment YouTube paye les vues. Voilà comment YouTube paye les vues. Il y a les publicités. Vous pensez que YouTube prend l'argent? Vous pensez que YouTube crée l'argent pour vous payer les gens? Les gens viennent avec les gens et ça fonctionne comme vous voyez les chaînes de télévision où les gens signent les contrats dans les chaînes de télévision avec les réalisateurs. Déjà, ils diffusent, mais les promoteurs d'entreprise viennent payer pour la publicité. Ils disent que bon, moi je prends 40%, je te verse 60%. Mais sauf que sur YouTube, tu ne connais pas le pourcentage que YouTube prend. Donc tout ce que YouTube te reverse, tu acceptes seulement. Tu ne sais même pas combien on les verse là-bas. C'est comme ça donc qu'on paye les vues, qu'on paye les vues sur YouTube. Il ne faudrait pas que les gens viennent vous tromper que ah, si tu as 100 000 vues, automatiquement tu vas avoir tel nombre de... Non! Et vous allez constater aussi, les vidéos qui ont une longue durée rapportent beaucoup. Parce que quand les vidéos de 10 minutes, 15, 20 minutes et poussière, quand on regarde beaucoup, ça donne la possibilité d'insérer plusieurs publicités, d'insérer la publicité à plusieurs niveaux là-bas. Ça rapporte plus. Plus il y a les publicités, plus ça te rapporte beaucoup d'argent. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner.
partagez la vidéo et laissez-moi un commentaire pour m'encourager. À bientôt pour une nouvelle édition ou bien un nouveau épisode. On est ensemble. Ok. Bye bye. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.